Scotty, what's this place like anyway? Well, the guy that's renting it says it's an old place. A little run down, but it's right up in the mountains. Four years ago, in this quiet forest, in this cozy cabin, something happened. Something so frightening. Something so deadly. Something so evil. We prayed it would never happen again. Now, from the creator of Evil Dead comes... C'est la tranchée, chérie. Vous les aimez, vous aussi, ces films qui commencent si bien, d'un air si détendu et si joyeux, et puis qui très rapidement commencent à dégénérer, puisque apparaissent soudainement des personnages pas trop invités, qui vont se charger de vous mettre une sacrée animation à coups d'hémoglobine et de trucs coupants dans tous les sens. Oui, le slasher, une grosse rubrique dans le monde du cinéma, est quelque chose que beaucoup de gens aiment beaucoup. Et aujourd'hui, je vous emmène dans ce jeu, The Beast Inside, puisque vous allez voir que la mise en scène n'est pas sans rappeler celle des slashers, et en particulier les plus fameux. Et on ne pourra que citer sur ça Sam Raimi et sa folle saga des Evil Dead. Je vous garantis que pendant la découverte de ce titre, vous allez souvent y penser. En parler, c'est bien. Le voir, c'est beaucoup mieux. Action. Donc, welcome. On est dans ce jeu qui s'appelle The Beast Inside, qui est supposé être un jeu d'horreur. On explore, on survit, et puis on fait des bonds de temps en temps. Et du coup, l'image d'accueil, effectivement, a tendance à rappeler le visage, puisque regardez, on a le même couloir avec l'escalier, à part que c'est la symétrie inverse gauche. Donc du coup, c'est super rigolo. J'espère que c'est pas un remix. J'aurais dû regarder qui avait fait ce jeu. Allez, c'est parti. Ça, c'est du chargement où je ne m'y connais pas. Eh Dieu, c'est bientôt l'heure du thé. C'est hein, quoi? Qu'est-ce que je faisais? C'est quoi ce jeu? Qui c'est qui a lancé un jeu? Moi, je voulais faire un des mineurs. La vache, bienvenue dans le chargement le plus long du monde. Ah, t'as intérêt à en avoir des textures, mon pote, hein, vu tout ce que tu charges. Attends, même contrôle, il se charge plus vite. Oh, c'était méchant, ça. Je crois qu'on vient de trouver Adam. Tranché, chérie. Ah bah, j'avais prévenu. Alors, c'est très rigolo parce que, étrangement, l'intro, bah, y a une similarité encore avec Visage. Vous vous rappelez, dans Visage, ça démarre par un mec, pareil, vue subjective, qui bute trois personnes, dont deux enfants. ça la met un peu en travers. Et du coup, là, c'est le même genre d'intro. Il y a eu grabuge. Mais bon, on est revenu dans le passé et tout va bien se passer car je suis là. Bouzi baba poudou.
It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. Feel the call of the wild. The weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who said it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Very funny. Like we don't know enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country will be a basket full of nuclear mushrooms. Stop it. But then again, this shack will fall down on us before the Brezhnev boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Take a look! Oh, it looks even better than the photos. Well, our stuff made it here before us. Those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I tore away when you afford us with shower. C'est trop réaliste. Three-hour drive and finally here. The place seems peaceful and quiet. Maybe you'll help me to focus on those damn telegrams to this affair. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Alors, on va faire un petit check déjà de la fluidité du jeu, parce que je pense que la végétation... Alors, je sais pas s'il y aura beaucoup de scènes dehors. Mais la végétation risque de me malourdir un petit peu les scènes, et du coup, on va avoir un framerate qui va se mettre à la ramasse. Je vais peut-être alléger un petit peu ça avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Moi, je ramène la poubelle dedans, non? Enfin bon. Oh, que c'est mignon, regardez-moi ça, on va aller faire un tour. Oui, je suis le mec qui pour pas trimballer toutes les affaires et que la nana se tape toute la corvée, va faire « Oh, mais regardez comme c'est chouchou !» Et ça, et... Ah, attention, j'ai mes clés qui me... Ouf, vous connaissez le couplet, les amis. Donc là, je vais faire « Chérie, j'arrive, hein, j'arrive, je vais juste faire le réglage du setup. » Pour pas que ça rame. Et que j'ai un framerate à peu près... ouais, parce que là, voilà... Oui, bah ça m'étonne pas qu'ils descendent à 20. On va calmer un peu la végétation. Moying. L'aliasing, on va le laisser pour l'instant. Mais ça devrait être déjà pas mal. Quitter, c'est... Non, pas celui-là. C'était pas celui-là que j'entendais. Continuer. Ah oui, qu'on voit pas du tout ici, merci. Ok, je dois ramasser quoi, chérie? Je vais lui demander ce que je devais ramener dedans. Je me fais dur gueuler. Elles sont où tes boîtes d'ailleurs, chérie? Alors, bah elle a déjà tout rentré. Ah, mais elles sont là, oui. Allez. Non, ça c'est... Ok. Mais je peux pas ouvrir la boue, la poule, le... Comment ça s'appelle, une porte? Une porte. Ouvre-moi cette porte d'abord. Voilà. Ah oui, oui, non mais c'est trop réaliste. Faut vraiment tout faire comme dans la vraie vie. Et je vais la balancer dans un coin, subrepticement. Comme dans la vraie vie. Aïe chérie, j'ai tout rentré. Hop là, allez, chut, via. Hop, vous allez voir, si je vais faire ça bien. Oui, j'ai envie que ça... J'assure un peu pour ce soir. Bah oui, feu de cheminée, tout ça, la peau de panthère. Miam, 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 miam. Kitchen, c'est où la kitchen? Ça, c'est le salonon. La kitchen est à droite, mais faut que j'ouvre or la porte. Elle est où la kitchen? Ouais, super loin du salon, c'est débile. Bon, ça ira là. Hop, chérie, t'as rangé n'importe comment encore, c'est quoi ce merdier?
Donc dans le jeu, il va y avoir de l'action normalement, si tout est prévu comme c'est prévu. Pardon. Et il va y avoir des énigmes normalement aussi, si tout est prévu comme c'est vraiment prévu. Et il va y avoir de l'action, bien entendu. On n'en manquera pas. Je suis rentré la dernière... Non, les deux dernières... Pff. Chérie, t'es où? Tu fais quoi? T'es dans la chambre? J'arrive. Hop là. Regarde cette belle glacière. Des bières, des bières, des bières. Oui, je pense comme un mec, un vrai, un unique. Des bières. Chérie, quand c'est qu'on mange? Alors, note pour les filles qui voudraient adopter un mec. Ah, pff, vous pressez pas, hein. Parce que vous allez tomber sur un nombre hallucinant de connards avant de trouver le bon. Oh merde, j'ai spoilé. Ça fait peur, ça. Alors les filles, comment faire peur à un mec? Laissez traîner ce genre de bouquin, vous allez voir. C'est trop réaliste, ce jeu, ça va pas du tout. Bon, je vais aller voir ce que fait ma femme, parce que je suis super inquiet. Et je voudrais pas qu'elle soit toute seule dans la chambre, à essayer de la lingerie, alors que j'y suis pas, quoi. Comment ça, je fantasme un poil? Non, pas du tout. Je vais prendre cette clé à molette au cas où chérie résiste. Comment ça, ça ne se fait pas? Bon, ok. Le tournevis. Un petit tournevis. Oh, une clope pour après. Ok, le marteau. Non, le marteau, je visais, mec. Oh, tu veux pas, c'est pas grave. Faudrait que j'enlève ce bordel de devant cette porte, en fait. Ce serait une riche idée, non? Alors si on peut ramasser tous les objets du jeu avec moi, ça va être super long parce que je vais me sentir obligé de tous les essayer, y compris le portrait de grand-père Michel. Chérie, ne quitte pas tout. Ta. Je veux ma récompense, j'ai bien travaillé, j'ai tout super bien rangé en bas, j'ai même nettoyé un petit peu. Je fais super bien le vrai mal, oui je sais. Non, on va pas se faire tous les tiroirs, les amis, je vous rassure. Je voulais vous faire peur au début, mais là, j'ai décidé de m'abstenir. Fallait les emmener au grenier? Fallait me donner cette info, les gars. Toutes les portes sont fermées, c'est pas possible. Je vais prendre cette télé, et je vais la mettre là. J'ai dû péter un truc, mais bon, elle a rien entendu, ma chérie, donc ça va. Ça, je vais en avoir besoin, c'est certain. J'en aurais eu besoin dans Visage. Oui, je vais y revenir sans arrêt. Le truc pour ouvrir une trappe au plafond. Qui doit... Eh ben voilà, elle est là. Donc vous voyez. Chérie. Elle est petite, cette chambre. Il y a que les petits, ce lit, ça va pas du tout. C'est pas ma chambre. Bon, je vois qu'on a à peu près le même cynisme avec le héros de... Avec le héros de ce jeu, donc ça risque d'être assez rigolo. Squeak. Regardez comme c'est bas. Oh. Bon, j'aère un peu, de toute façon, ça sent le renfermé. Comment ça, il n'y a pas l'odeur dans ce jeu? Mais qu'est-ce que vous en savez de... Vous, c'est un stream, vous pouvez pas l'avoir, mais moi, je l'ai. Comment ça, c'est irrationnel. Chérie! Elle est déjà au grenier toute seule, hein? Oui, mais là, je peux... Hop, voilà. Et la bobinette, Chora, tout ça, tu connais le truc? Et je vais me la prendre sur la gueule, cette échelle, encore. Non? Ça va. Squeak. Et voilà, on va au grenier. Oh, fuck. Qui? Chérie! Qu'est-ce qu'elle fout, bordel? Chérie! Moumoun! Ce portrait dégueulasse. Je vais essayer de balancer ce tableau dehors, discretos. Merde, je peux pas m'en débarrasser. Oh, je suis tristesse. J'allais demander de l'aide. Mais bon, non, pas tout de suite quand même. Bon, on va attendre un petit poil. Alors, il faut que je trouve des clés. Normalement, les clés, elles sont suspendues à l'entrée sur des crochets, dans les maisons normales. Sous des paillassons? Non. J'en fous de partout parce que j'aime bien. Ah, je peux sauter, contrairement à Visage. Ça, c'est une grosse modernisation de l'engin. Je vais quand même pas me faire tous ces tiroirs. Regardez-moi la collection qu'il y a. Allez, on va lire. La totale. Jette. Chérie, faudra songer à faire le ménage. Un petit peu. Un moment. Ou si tu peux. Je sais pas qui est passé. Ça doit être les mecs qui ont livré nos trucs de déménagement.
J'ai comme l'impression qu'ils ont tout balancé dans les couloirs. Enfin, c'est une impression. Hein? C'est chiant à viser, ça. Oh, je suis jamais arrivé. Mais non, mec, t'es con. Putain, elles sont où ces clés à la con? Je vais pas me tartiner tous les meubles de la maison. On n'est pas là pour faire une démonstration Ikea, bordel. Non, on va stocker tout là. Salut les tiroirs, vous auriez pas une clé des fois les gars? Parce que si on doit passer une demi-heure sur la première partie du jeu pour trouver un trousseau de clés, je vais pas être content. Donc oui, il y aura recours au montage pour vous épargner ces grands moments de solitude où... comment dire? On s'emmerde, c'est ça le mot. Bon, je vais me balader. Le mec qui cherche tout pour fuir ses devoirs et autres impératifs. C'est trop cool ici. J'espère qu'on a invité plein d'amis et qu'ils vont amener du gros son. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est bien là. C'est un endroit qui est fait pour repeupler la planète, quoi. Et du coup, je suis un peu tristouille, vois-tu. Les clés vont être ici, bien entendu. Non, car ce sera verrouillé, regarde. Oh, surprise. Comment voulez-vous ne pas être sarcastique? Je vais ressortir mon costume de Randy Marsh dans pas très longtemps, je pense. Je sais qu'il y a de nombreux fans. Chérie, fait longtemps que je n'entends pas, je suis inquiet, elle a dû s'endormir quelque part. Elle a dû faire comme moi en fait. Elle a dû se barrer dans les bois, faire la conne en se disant l'autre blaireau il va tout ranger à ma place. Chérie, je ne suis pas dupe. Putain, mais t'es godasse, t'as pris même les vieilles pourries, je t'avais dit de les balancer, t'écoutes rien. Where are the fucking keys? C'est ça le vrai titre de ce jeu, il aurait dû s'appeler comme ça. Where are the fucking keys? Ah, y a une tristitude. Chérie, j'ai fini. T'as fini de ton côté? Ou t'es parti picoler en douce des bouteilles dans les bois? Parce que je te connais, t'es un peu comme moi. Hein. Pour ça qu'on s'entend bien d'ailleurs. Je vais prendre la bagnole, je vais me barrer, j'en ai marre. Vas-y, rentre, on se casse. Allez, vous. J'ai fait combien de temps de stream? 30 minutes pour rien, bravo. Bravo, c'était toute beauté. Vite, cette pizza, faut que je récupère cette pizza, elle est super. Elle est encore bonne. Que je peux ouvrir tous les trucs de la bagnole. Il me faut des clés de partout dans ce jeu. Mettez la boîte sur la table à l'étage. Il veut vraiment que je fasse ça, quoi. C'est... Quand chérie va voir ça, elle va plus savoir quoi dire. Hop là. Bienvenue dans Carton Simulator 2019. Avec Carton Simulator, tu vas pouvoir simuler un déménagement, un emménagement, une rupture, un mariage et l'attaque d'un ouragan, peut-être. Chérie, oh, putain. Ne dites rien. Jeter. Attends, faut que je vise la table en fait de là. Youhou! Presque. Attends, mieux. Wouh! J'ai pas beaucoup de force dans les bras, je crois. Ça va se finir à coup de clé à molette. Bon, la table. Ça y est, t'as tes cartons. T'arrêtes de me casser les. Comment on dit? Bonbons? Fuck me. I'm in hell. Alors, effectivement, c'est un jeu d'horreur, quoi. Parce que démarrer un jeu comme ça. Oh.
Démarrer un jeu comme ça, qui est restrictif sur les scripts à ce point-là, vous vous dites, le jeu va être super long, mais pas parce qu'il est bon, parce qu'il est con. On va utiliser les bons termes. Allez au grenier. Mais j'y vais comment? J'ai pas la clé. Ah, dickhead. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It's hidden in a drawer. Oh, les tiroirs. Si c'est un tiroir que j'ai ouvert et que la clé n'était pas dedans, et que maintenant par miracle elle est dedans, vous allez m'entendre couarner. Oui, couarner. Qui est un mélange très déconseillé entre hurler, gueuler, s'énerver. I can't find it in the dining room. Putain, comme une vraie. Ça venait du fond du cœur. Mais il faut une clé pour ouvrir le coffre, espèce de... En fait, je crois savoir comment j'en suis arrivé à avoir eu envie de tuer ma femme. Ça me semble une évidence maintenant. Non, pas encore des cartons. Je m'en fous des cartons. Chérie, faut que tu viennes chercher les cartons. Hop, dégage. Je suis énervé là. Bah oui, je vais la prendre. Je vais pas juste la regarder tête de. Tiens, t'es. Chérie, t'as ça à ramener. T'as ça à ramener encore. Et puis t'as celui-là aussi. Bon, celui-là, je vais le monter. C'est le plus petit. Je me ferai moins mal au dos. Chérie, tu m'as entendu? Oh là 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 là. Oui. Je vais le mettre sur la table, hein. C'est super important, sinon le script d'après, je vais l'avoir in the bab. T'as vu ça? La boîte s'est rangée toute seule, comme par magie. Squeak. C'est beau. C'est cassé. Oui, je suis comme ça maintenant. Là, on voit quand même que c'est la meuf qui a choisi la déco. Parce que moi, non. Non, non, tu mets pas ça, là. Qu'est-ce que j'étais venu chercher de la peinture? Oui, bah alors, si tu crois que tu vas me faire quelque chose avec trois squeaks qui se mangent le squeak, laisse-moi te dire, mon ami, que c'est super mal barré. Oh, il y a encore un passage. Oui, ce mec a deux mains droites. Alors, des outils s'en étaient pétés au rez-de-chaussée, il me semble. Ça y est, on rentre dans la phase sérieuse du jeu, enfin. C'est cool. Oh putain, tous les trucs verrouillés, ça m'insupporte. On va faire un petit tour là-haut, je suis curieux. Tobadabadum. Ce fut judicieux, parce que redescendre au rez-de-chaussée pour se rendre compte que le truc était là. Et ce serait. Ouvrir la cachette. Attends, mais j'arrive pas à monter là. Oh, je prends. Attends, je me la jette en bas. Je vais en avoir besoin. Chérie! J'ai une surprise pour toi, faut que tu montes. Tu laisses juste ta tête dépasser. Et tu fermes les yeux, c'est important. Je force là, je suis à fond. Je penche pour la deuxième option. Ah, je vais me faire engueuler que j'ai pété la latte. Alors, c'est pas très cohérent quoi, la latte bouger. Et pot de balle. Faites piloter les objets pour trouver des messages cachés. Comme M, H, P, O. Non, mais je dis ça d'un air naïf, quoi. Comme si on ne nous l'avait jamais fait.
Alors, j'ai rien compris à ton énigme, mais on va pas rigoler. MHPO. Attends, on refait voir dans l'autre sens. Je sais pas. MHPO. On va retenir ça. Et là, il me dit que J égale C et M égale F. J égale C, M égale F. Ok, c'est la roue intérieure qui compte, donc. Ok. Alors. M. H. P. Comme perdrix. A. Comme andouillette. Oui, je suis très près de micro, là. Et O comme olibrius. Oui, ça c'est les mots désuets dont on ne se sert plus, quoi. Je fais une petite pause, on se retrouve plus tard. D'accord? Comme ça me permet de me faire un café. Comment ça, je suis trop près du micro? Et encore, vous m'avez pas entendu hurler.